gens de la planète. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'émission qui a fait le plus de victimes sur Terre, les désinformations internetisées. Yeah! Au programme, on aura des vidéos de merde, des infos de merde, des sketchs de merde, une présentation de merde. Mais j'y peux rien. Mais attendez, quand même, là, ça a bien changé en un an. C'est quelqu'un qui possède des images pédopornographiques. Je crois que ça se dit comme ça. Bref, pour le retour, eh bien, on va parler de choses joyeuses. Avec cette vieille madame, pour le dire, qui est dans une maison de retraite, c'est pour encore plus se dire, hein. Et pour pouvoir téléphoner à sa fille, hein, eh bien, elle a ouvert une ligne téléphonique. Bon, en gros, elle a ouvert un téléphone, quoi. Sauf que son numéro de téléphone est un ancien numéro d'un sex shop. Alors, du coup, elle reçoit plein d'appels de mecs friands de sextoys comme pas possible. Et bien évidemment... Oh ouais, en fait, vous avez déjà tout compris. Comme chez Free. C'est combien? C'est gratuit. Fini les mauvaises herbes avec le désherbant Formule Jardin. Pour tout achat de deux conserves. N'empêche que ça doit être quand même drôle à voir. Allô? Je veux un sextoy? Tout en souhaite? Sinon, je vais vous assassiner. À la radio. Enfin bon bref, comme notre fidèle auditeur nous l'a dit, eh bien on va mettre un sextoy dans notre hamburger parfait. Et le pire, c'est qu'elle doit subir ça 4 fois par jour. Et encore plus pire, c'est qu'elle doit subir ça à minuit. Madame, vous pouvez laisser les autres dormir au lieu de vendre des sextoys? Madame, c'est pas vrai, je vous le dis combien de fois ça? Et puis attendez, le sex shop à qui appartenait ce numéro? Eh bien, il a fermé il y a 2 ans. Alors, pourquoi il y a encore des mecs qui appellent? Allez les mecs, ce soir, on va commander 666 millions de sextoys. 666 heures plus tard? Putain, pourquoi on tombe jamais sur des vendeurs de sextoys? Tous les sex shops ont fermé ou quoi? C'est un complot mondial ou quoi? Voilà, c'est tout pour cet épisode de Le Retour des Désinformations Internetisées, quoi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et tourner autour d'une 4L. Enfin, ce genre de truc-là, quoi. Enfin non, tourner juste autour d'une 4M, ça sera mieux comme ça.